L'ami, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette quatrième vidéo, ou cinquième, donc épisode 4 en gros. Et donc aujourd'hui, comme vous voyez, pour ceux qui reconnaissent ce qu'on a devant les yeux, on va parler des embrayages. Donc, déjà, on va commencer par le commencement. À quoi sert un embrayage? Donc, un embrayage, bah, tout simplement, ça sert à transférer donc l'énergie du moteur vers la boîte de vitesse. Donc en gros, c'est grâce à lui que vous pouvez passer vos vitesses et avancer. On va tâcher d'être quand même plus précis parce que là c'est vague ce que je viens de dire. Donc déjà, de quoi est constitué un embrayage? Donc le kit embrayage, donc c'est l'ensemble. Il est constitué du disque d'embrayage. Donc c'est un disque qui ressemble à ça. Il est constitué de la butée d'embrayage. Donc c'est monter ce roulement, et il est aussi constitué du mécanisme d'embrayage ou plus communément appelé plateau de pression, ou l'inverse, il est plus souvent appelé mécanisme d'embrayage plutôt que de plateau de pression, mais les deux termes c'est la même chose. Donc butée d'embrayage, disque d'embrayage et mécanisme d'embrayage. Donc on va parler des termes débrayé et embrayé. Donc je pense que vous avez déjà entendu ce terme là, ces termes là. Mais par contre, il y a une petite subtilité, c'est-à-dire que quand on entend le mot débrayer, on a plutôt tendance à penser que débrayer, c'est relâcher le pied de la pédale, donc débrayer. Mais en fait, c'est complètement l'inverse. Le fait de débrayer, ça veut dire qu'on va désolidariser le mécanisme d'embrayage du disque d'embrayage. Et quand on embraye, ça veut dire qu'on va, entre guillemets, resolidariser le mécanisme d'embrayage du disque d'embrayage. Donc en gros, pour faire simple, débrayer, on appuie sur la pédale, embrayer, on relâche la pédale. Donc en gros, comment ça va fonctionner dans les faits? Alors vous êtes dans votre voiture, vous passez la première, donc vous appuyez sur la pédale, donc vous débrayez. Donc ce qui va se passer, c'est que quand vous allez débrayer, donc appuyer sur la pédale, vous avez la butée d'embrayage qui est reliée à une fourchette d'embrayage que je vous montrerai tout à l'heure. Et en fait, quand vous appuyez sur la pédale, il y a cette partie-là qui va appuyer ici, sur le centre, donc au niveau des lamelles qui sont là. Ces lamelles-là, quand vous allez appuyer dessus, elles vont faire en sorte que cette partie-ci, elle se recule, en fait, elle est comme aspirée. Quand vous appuyez sur les lamelles, du coup, le disque, lui, il est libéré de sa pression par rapport au mécanisme et au volant moteur. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez engager la vitesse. A contrario, quand vous allez embrayer, donc quand vous allez relâcher la pédale, donc mécanisme inverse, la pression, hop, elle se relâche, les lamelles remontent. Le mécanisme remonte aussi, donc met en pression le disque contre le volant moteur. L'énergie est transmise à la boîte de vitesse et vous pouvez avancer. Donc en gros, voilà comment fonctionne votre embrayage. Maintenant, pour aller un peu plus dans la technique, il existe deux types d'embrayage, si je peux dire. Donc on a l'embrayage mécanique. Donc c'est un embrayage en fait qui s'active avec un câble qui est relié à votre pédale. Donc quand vous appuyez sur votre pédale, c'est un câble qui tire sur la fourchette que je vous montrerai comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et au moment où vous appuyez sur la pédale, le câble tire sur la fourchette et la fourchette met une pression sur la butée qui met une pression sur le mécanisme qui libère le disque, etc. A contrario, quand vous allez relâcher la pédale, la fourchette va revenir par la force des lamelles qui vont revenir d'elles-mêmes, ça va faire revenir la fourchette. Et ensuite, eh ben vous êtes embrayé et vous pouvez accélérer. Il y a la version hydraulique. Donc la version hydraulique, c'est quoi? C'est exactement le même principe, sauf que au lieu d'avoir un câble entre la pédale et la fourchette d'embrayage, eh ben on a tout simplement un émetteur, un récepteur. Donc c'est deux petites pièces qui fonctionnent à l'hydraulique. Donc généralement, c'est le même type de liquide qu'on met dans le liquide de frein, donc du DOT 4 ou du DOT 5, peu importe.
Et en fait, même principe, vous appuyez sur votre pédale d'embrayage et c'est un liquide qui est mis sous pression via l'émetteur qui renvoie cette pression au récepteur ou inversement, je sais plus trop. Bref, on s'en fout. Et en fait, cette pression, elle est répertoriée sur la fourchette qui elle-même est répertoriée sur la butée. Et après, ça fait exactement le même principe. La butée se met en pression sur les lamelles libèrent le plateau libère le disque, vous passez votre vitesse, vous relâchez la pédale. La pression est libérée sur les lamelles remontent, la pression revient, et c'est parti, on peut rouler. Alors maintenant, je vais vous parler un peu des pannes, ou comment on peut détecter que l'embrayage il est fatigué ou il commence à rendre la main. Donc en fait, il y a plusieurs petites choses. La première, je pense, la plus commune, c'est tout simplement quand vous accélérez et qu'en fait votre véhicule prend des tours minutes. Mais que par contre, par rapport à la vitesse, ça avance pas en fait. En gros, c'est ce qu'on appelle un embrayage qui patine. Donc, quand on dit mon embrayage patine, c'est j'accélère, mais la voiture avance pas. Donc, ça, c'est un syndrome typique des embrayages fatigués. Après, il y a aussi le syndrome du bruit du clac-clac-clac quand on appuie sur la pédale d'embrayage. Donc, le bruit du clac-clac-clac, généralement, c'est elle qui fait ça. Donc, ce qui se passe, c'est que au moment où vous appuyez sur la pédale, donc quand vous débrayez, quand vous mettez cette pièce-là en pression, il n'y a pas de bruit. Par contre, au moment où vous relâchez la pression, elle est libre. Et comme c'est un roulement à l'intérieur, eh bien, le roulement il a tendance à s'user comme tout roulement en fait. Et au bout d'un moment, il fait du bruit. Et quand ça fait un espèce de bruit comme ça, c'est que c'est la butée qui fatigue. Et généralement, je dis bien généralement, quand la butée est fatiguée, c'est que lui, à mon avis, il n'est pas très loin aussi de son terme d'usure, on va dire. Généralement, quand vous avez un bruit de butée comme ça, c'est que vous êtes bon pour changer votre kit d'embrayage. D'autres petites choses qui peuvent vous faire comprendre que votre embrayage il est fatigué, c'est tout simplement l'odeur. Alors un embrayage qui est fatigué, qui est cramé, bah, comme je viens de le dire, ça sent cramé en fait. C'est une odeur que ça peut pas vous... Vous pouvez pas la louper en fait. Vous ouvrez le capot et vous sentez une odeur au niveau de la boîte quand vous penchez la tête. Vous sentez bien une petite odeur pas normale, une odeur de cramé. Généralement, c'est l'embrayage qui commence à fumer, à se fusiller en fait. Pareil, si vous avez des fois du mal à démarrer, en fait, quand vous partez, vous êtes prêt à caler. Si ça vous arrive vraiment souvent et que habituellement ça vous le fait pas, c'est aussi un signe comme quoi l'embrayage commence à fatiguer. Voilà, toutes ces petites choses, ça peut vous indiquer que votre embrayage commence à fatiguer. Et quand c'est comme ça, cherchez pas, dirigez-vous directement vers votre garage le plus proche et puis faites un diagnostic. Et puis si le garage il est pas véreux, lol, il saura diagnostiquer une fatigue de l'embrayage et il vous conseillera de le remplacer tout simplement. Mais bon, normalement, c'est des choses qui ne trompent pas. Donc le diagnostic devrait pas trop être compliqué à faire. Alors, faut savoir aussi qu'un embrayage d'origine, c'est censé, je dis bien, c'est censé tenir entre 100-150 000 km, voire 200 000, surtout pour les moteurs diesel, les petits moteurs diesel. Après, évidemment, ça dépend du type de conduite que vous allez avoir, du type de trajet que vous allez faire. Par exemple, si vous faites beaucoup de vide, vous allez avoir tendance à rétrograder assez souvent, donc à engager l'embrayage assez souvent, et donc forcément vous allez réduire sa durée de vie. A contrario, si vous faites plutôt de la grande route, vous allez rétrograder 2, 3, 4 fois, vous allez faire votre trajet sur la grande route, donc à vitesse stabilisée. Ensuite vous allez arriver en ville, vous allez refaire rétrogradage 2, 3, 4 fois, puis vous allez vous arrêter. Donc forcément l'embrayage il est beaucoup moins mis en contrainte, et donc forcément sa durée de vie elle est allongée. Après, il y a aussi des choses à savoir, des techniques à savoir pour préserver son embrayage. Tout simple, par exemple quand on arrive à un feu rouge ou à un stop, peu importe, le réflexe c'est de se mettre au point mort. Même si le feu ne dure pas très 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 longtemps, mettez-vous quand même au point mort. Pareil, quand vous arrivez à un stop, bon, c'est sûr que si c'est un stop limite, c'est dès le passage, vous faites l'arrêt et vous repartez, donc vous n'avez pas le temps vraiment de vous mettre en point mort, donc vous restez en première. Mais par contre, si c'est un stop que vous connaissez bien, que c'est un stop qui dure assez longtemps, vous vous mettez au point mort et là, pas de souci. Pareil quand vous êtes dans les bouchons, on sait très bien que dans les bouchons, on démarre, on s'arrête, on démarre, on s'arrête, mais c'est pas grave. Dès que vous pouvez vous mettre au point mort, mettez-vous au point mort automatiquement.
je vous assure que ça peut préserver votre embrayage de plusieurs milliers de kilomètres. Pareil, quand vous faites des départs, un feu, un stop ou chez vous, surtout quand vous partez, partez pas comme des bois, prenez bien le point de patinage, faites bien patiner en voyage, pas trop non plus, mais un patinage normal quoi. Parce que des démarrages bruts, les embrayages ils aiment pas. Des démarrages où l'embrayage il cire, c'est-à-dire qu'il patine, et hop, il part. Ça aussi, l'embrayage il aime pas. Donc faites des démarrages classiques, ni violents, ni hyper longs, partez normalement. Et pareil, ça va préserver votre embrayage. Aussi, une dernière chose, j'en vois des fois, ils ont tendance à laisser leurs pieds sur la pédale d'embrayage alors qu'ils sont en vitesse stabilisée sur la route, etc. Il faut savoir que même une petite pression sur la pédale d'embrayage, ça suffit à mettre le disque en contrainte. Donc si vous roulez à 110 sur la 4 voies et que vous laissez votre pied sur l'embrayage, il faut savoir que le disque il frotte légèrement, je dis bien légèrement, au volant moteur. Mais quand même, s'il frotte, c'est qu'il s'use. Donc ça sert à rien de laisser son pied sur l'embrayage. Posez votre pied sur le côté ou mettez-le je sais pas où, mais enlevez-le de l'embrayage, ça ne sert à rien. Voilà en gros les petites astuces, les petites choses que j'avais à dire sur l'embrayage, comment que ça fonctionne, pourquoi ça s'use, les astuces pour éviter que ça s'use trop, etc. etc. Là maintenant, on va passer à une partie un peu plus update, un peu plus préparation. Donc je vais vous mettre deux autres embrayages là juste à côté et puis on va en discuter. Ok, donc là, comme vous pouvez le voir, on a trois embrayages différents. Donc de gauche à droite. Ici, c'est l'embrayage d'origine qu'il y avait sur mon moteur. Donc je rappelle, mon moteur, c'est un 160 chevaux. Donc c'est un embrayage d'origine. Et donc comment savoir quand il est usé? Là, si vous regardez bien, il y a des espèces de rivets à l'intérieur. Et en fait, quand la garniture, elle arrive à fleur du rivet, c'est que l'embrayage est usé. Donc si on regarde ici sur l'embrayage neuf qui va être monté sur la voiture, hop, quand on regarde le rivet ici, il est vraiment bien creux. Vous voyez bien qu'il est neuf, hein, en gros. Donc là, il est bien creusé. Pareil ici, si on regarde sur cet embrayage d'un autre monde, là, il est... il reste un petit peu, peut-être un mille ou deux, peu plus. Donc, embrayage d'origine, fait pour la voiture, donc 160 chevaux. Ici, on a ce qu'on appelle un embrayage stage 1. Donc les stages, c'est quoi? En gros, c'est... on va dire que c'est la capacité du kit d'embrayage à supporter une puissance donnée. Donc pour ce kit-ci, donc kit d'origine, 160 chevaux. Celui-ci, donc embrayage stage 1, il est censé apporter 20% de puissance supportée en plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, sachant que d'origine, mon moteur fait 160 chevaux et que cet embrayage est fait pour 160 chevaux, en gros, si celui-ci est capable de supporter 20% de plus que celui-ci en termes de puissance, sachant qu'on est sur un 160 chevaux, donc 20% c'est un cinquième, donc un cinquième de 160 chevaux, ça fait à peu près 30-35 chevaux. Donc ce kit d'embrayage-là, stage 1, il est censé supporter, donc 160 plus 30-35 chevaux, 190-195 chevaux, on va arrondir à 200 chevaux. Donc ce kit-là, par rapport à ce kit-là, peut supporter 200 chevaux, celui-ci 160. Ici, on est sur un embrayage un peu plus corsé, on va dire. Déjà, vous voyez le disque, c'est pas du tout le même. Là, on est sur un stage, je sais plus trop, quand je l'avais acheté, je sais plus quel stage c'était, je crois que c'est un stage 2 ou stage 3, je sais plus trop. Donc la différence entre ces deux autres-là, mis à part la puissance supportée en plus, c'est que lui, il est beaucoup plus agressif. En quoi il est plus agressif que les autres? Donc déjà, quand vous regardez ici sur le plateau de pression, tac, ici on est bien lisse, tac, là aussi, on est bien lisse. Et là, par contre, vous voyez là, on a des petites rainures. Et bien ça, en fait, c'est censé donner encore plus d'accroche au disque sur le volant moteur. Ce qui fait que quand le disque il est en accroche comme ça, il est vraiment, vraiment accroché par le plateau de pression. Donc directement, lui, il est aussi
encore plus accroché sur le volant moteur et du coup, c'est ce qu'on appelle un embrayage plus agressif. Donc, qui dit plus agressif dit aussi qu'il est, comment dire, bah, il agresse plus. Donc, en gros, mon volant moteur, il prend cher, entre guillemets. Autre chose, là, comme vous voyez, c'est des disques pleins avec des ressorts. Là, c'est ce qu'on appelle un embrayage 5 patins. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà pourquoi on dit 5 patins. Ça apporte quoi en plus? Bah, tout simplement, c'est un système qui permet d'avoir même principe, beaucoup plus d'accroche sur le volant moteur. Donc, une prise de puissance beaucoup plus directe. Les ressorts, à quoi ils servent? Et bien, tout simplement, les ressorts servent à amortir au moment où l'embrayage s'engage sur le volant moteur, si vous voulez. Donc, plus il y a de ressorts, plus c'est censé amortir. Et généralement, sur des embrayages un peu agressifs comme ça, on met beaucoup de ressorts. Donc là, en l'occurrence, il y en a 6. Là, pourquoi il y en a 6? Parce que c'est un moteur d'origine. Et d'origine, les constructeurs, ils veulent des embrayages non agressifs, des embrayages qui sont doux. Donc forcément, il y a 6 ressorts. Là, on en a 4. Donc on sait qu'ici, on aura un peu moins de douceur au passage des vitesses. Et là, on a l'agressivité avec les 5 patins, mais on a en plus la douceur avec les 6 ressorts. Mais par contre, là, lui, là, il te bouffe des disques d'embrayage, mais une vitesse pas possible. C'est hyper agressif. Autre chose, la différence entre ces 3 disques-là, donc mis à part la piste qui est lisse ici, c'est qu'on a une résistance à la pression ici beaucoup plus élevée. Donc si on a une résistance beaucoup plus élevée, on a une pression sur le disque beaucoup plus élevé. Là, idem, résistance plus élevée, pression plus élevée. Donc, la pression, plus la résistance, plus l'accroche, plus ces 5 patins, enfin bref, je ne vous fais pas le topo. Ça, c'est un embrayage. Sur la route classique, c'est très désagréable, très désagréable. Sur circuit, c'est parfait. Donc voilà pour vous parler un peu des différents types d'embrayage. Mais là, je parle bien pour une préparation, c'est-à-dire... Vous voulez gonfler un peu la puissance de votre moteur, vous voulez un peu le, entre guillemets, fiabiliser par rapport à la puissance rajoutée, on passe sur un stage 1 ou un stage 2 ou un stage 3, peu importe, ça va dépendre de la puissance. Donc moi, en l'occurrence, le stage 3, honnêtement, ça ne m'intéressait pas, d'origine non plus, donc je me suis tourné vers un embrayage stage 1. Donc, renforcé, plus 20% de puissance en plus, un peu d'agressivité, mais pas trop. Bon, j'espère que ce petit topo sur les embrayages, ça vous a plu. Bon, c'était peut-être pas très clair, mais vraiment, je vous ai raconté les grandes lignes. Après, si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller sur Internet, à aller vous renseigner. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour en apprendre énormément sur les embrayages, les types d'embrayages. Pareil aussi, je vous en ai pas parlé, mais les types de garniture. Donc, la matière qui est utilisée pour les disques, il y a plusieurs matières différentes en fonction de ce qu'on veut, pardon. Donc, si vous voulez plus d'infos, allez sur Google, allez faire les curieux. Franchement, c'est intéressant. Donc nous, on va prendre le kit tout neuf et on va se diriger directement dans le box. Alors, ce que je vous disais par rapport à la fourchette d'embrayage, donc la fourchette d'embrayage, c'est quoi? C'est ça. Tac. C'est ce que vous voyez bouger ici. Et en fait, pour vous réexpliquer une dernière fois, cette partie-là, elle est fixée à un câble. Ce câble-là est fixé à votre pédale. Ou, si c'est un embrayage hydraulique, le récepteur est situé ici, donc il y a une petite tige qui est ici avec le récepteur ici hydraulique. Donc le liquide arrive dans le récepteur, le liquide pousse la tige et la tige pousse la fourchette. Et du coup la fourchette bouge quand vous appuyez sur la pédale. Et en fait, hop, ici vous avez la petite butée. Et la butée elle se met, genre juste pour vous montrer, on va dire comme ça. Et en fait, dès que vous appuyez, tac, elle remonte. Et normalement, quand on relâche, elle revient. Elle revient en position. Là, elle n'est pas vraiment en place. Mais dans le principe, c'est ça. Donc, vous appuyez. Hop, elle remonte. Le fait de remonter. Sachant que le mécanisme, il est comme ça. Et bien, du coup, elle vient faire pression sur cette partie-ci. Qui va enlever la pression sur cette partie-ci aussi. Et du coup, le disque, après, il est libre. Bon. Et la MIF notait que j'ai quand même retiré la boîte. Franchement, j'en ai chié pour la monter. Et je l'ai retiré exprès pour la vidéo, pour vous montrer comment monter en voyage. Bref.
On va commencer tout simplement par monter le volant moteur. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, vous avez donc l'emplacement des vis et ici vous avez une petite tétine. Donc c'est un détrompeur. Du coup, quand vous montez votre volant moteur, impossible de vous planter. Tac. Le volant moteur est là et le détrompeur sur le volant moteur il est ici juste au milieu. Donc le sens, bah, pour pas vous tromper, de toute façon il n'y en a qu'un. Hop, il suffit de mettre le détrompeur à sa place. Voilà, tac. Donc là il est bien en place, le détrompeur est bien ici, nickel. On est bien en face des trous partout. Du coup, on va pouvoir enfiler les vis. Alors le couple de serrage, je ne sais plus exactement ce que c'est. Je crois qu'on doit être aux alentours des 40 Nm, il me semble. Moi j'ai mis 45. Tac. Voilà. Quand je dis ça, c'est pour ce moteur-là. Après, si vous le faites chez vous, essayez de trouver la fiche technique du véhicule. Enfin, le manuel d'atelier plutôt. Et dedans, normalement, il y a toutes les valeurs dont vous aurez besoin. Tac. On va mettre un petit coup de dynamo. Ok, ensuite il faut fixer le disque d'enrayage. Donc c'est là que je vais avoir un petit souci parce que j'ai pas le centreur d'embrayage n'est pas fourni avec le kit. J'en avais un il fut un temps, mais malheureusement je l'ai perdu. Donc on va essayer de se démerder comme on peut. Alors, pour monter le disque, donc vous avez un sens. Normalement, c'est inscrit sur le disque. Non, c'est pas là. C'est pas là non plus. Voilà ici. Vous avez marqué Gearbox Side. Donc en fait, cette face-là, elle doit être côté boîte. Donc sachant que la boîte, elle vient comme ça. Donc cette face-là doit être là-bas. Et puis de toute façon, si jamais vous avez un doute, là on a le mécanisme, là on a le disque, et comme vous voyez, il y a un côté qui est un peu plus protubérant que l'autre, et donc la partie qui dépasse, elle va tac, comme ça. Et là vous êtes bien. Donc on est bien avec la face côté boîte. Tac. Donc on est bien. Alors maintenant le but, quand on n'a pas de centreur, je vous le dis, on ne peut pas y aller à l'aveuglette. Ça veut dire une fois que le disque sera en place, comme ça là, ce qui va le maintenir en place, c'est le mécanisme. Donc le mécanisme qu'on va venir serrer ici. Donc si jamais le disque il est légèrement décalé et que vous serrez comme ça, eh ben, je vous souhaite bonne chance pour remettre la boîte. Parce que la boîte, pour faire simple, hop, je vous récupère. Alors ici, si vous regardez bien, on a des cannelures, d'accord, et les cannelures on les retrouve à l'intérieur du disque d'enrayage. Donc imaginez bien que si votre disque, quand il est bien centré, après il passe bien au niveau de la boîte. Par contre, une fois qu'il est sur le moteur, s'il est ne serait-ce que décalé d'un millimètre vers le bas, vers le haut, vers la gauche ou vers la droite, vous n'allez jamais réussir à remettre la boîte, mais jamais. Donc c'est pour ça que c'est hyper important
de bien centrer son disque dès le début et donc d'avoir un centreur dans le voyage. Moi, là, j'en ai pas. Donc, je sais pas comment je vais faire. Alors, j'ai trouvé une petite astuce. Je sais pas si ça va le faire. Donc, j'ai pris ça. C'est un manche de cric. De cric, quoi. Là, il passe nickel. Donc, ce que je fais, c'est que je pose mon embrayage. Je le passe à l'intérieur. Je me mets ici. Hop, je le cale comme ça. Donc là, il est en place. Mais regardez, il y a un peu de jus à gauche, à droite. Donc en fait, le but, c'est d'essayer de fixer comme il faut. Mais là, avec le jeu qu'il y a, c'est impossible. Le disque ne sera jamais bien centré. Alors, soit j'ai de la chance, je le serre comme ça, un peu à l'aveuglette, bim, je serre ici, tac, 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 tac. Et j'essaie de mettre la boîte. Mais ça sera vraiment du pifomètre. Ou soit je commande un centreur d'embrayage, ça vaut pas bien cher sur Amazon ou peu importe. Et je fais ça une autre fois. Donc en gros, ce que ça va donner, pour vous la faire vite fait, hop, le disque est là. Là, je passe mon mécanisme. Ici, on a des petites tétines. Faut pas se tromper. Tac. Voilà. Donc en fait, au final, on aura ça. Et ensuite ici, plus par là plutôt, on se fixera au niveau des vis. Mais en gros, pour faire simple, juste je vous mets en place juste pour montrer ce que ça donne. Voilà, en gros ça donne ça. Et comme vous voyez, le disque là il bouge. Donc si je serre mon mécanisme, je le serre là tout de suite, là mon disque il est pas centré. Quand je remets ma boîte, bah, en gros elle passera jamais. Elle passera jamais, pourquoi? Parce que le disque il sera légèrement décalé par là, par là, par là ou par là. Donc c'est pour ça qu'il est hyper important d'avoir vraiment un vrai centre de disque. Du coup, je sais pas si je teste comme ça, parce que remettre la boîte déjà sans le disque, c'est galère. Alors j'imagine même pas avec un disque non centré. Ah, je suis deg. Il me semble que j'en avais un dans la voiture, dans le cab, dans la MG donc. Mais j'ai été voir tout à l'heure et je l'ai pas trouvé, donc... Je sais pas comment je vais faire. Mais en tout cas, voilà, vous avez compris le principe. Vous mettez votre disque d'embrayage, enfin, volant moteur en premier, disque d'embrayage, ensuite le centreur, ensuite le mécanisme, ensuite vous presserrez, donc vous ne serrez pas à fond, vous presserrez, tac, 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 tac. Une fois que c'est presserré, vous repassez une deuxième fois pour bien serrer au couple. Et après, normalement, si le centreur est bon, la boîte, elle passera... Faudra juste aligner les canures au moment du passage. Mais après, ça passera vraiment tout seul. Mais là, moi, là, avec le jeu que j'ai, je vais essayer quand même. Je vais essayer la caméra quand même, mais franchement, je crois pas trop. L'ami, bon, je vais couper la vidéo ici. Moi, je vais m'atteler à essayer de centrer ça un peu au hasard. Et à faire plusieurs tentatives. Et si je vois vraiment que je galère, je commande un centreur d'embrayage universel. Et puis, je ferai ça demain ou un autre jour. Maintenant, je suis plus à ça près. L'ami, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Si jamais vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce, partagez le compte aussi, parce que c'est important. Je vous souhaite une bonne matinée, bonne journée, bonne soirée. Alors, un petit truc aussi avant de vous laisser, concernant les vidéos. Là, je viens de me rendre compte que de toute façon, je vais arriver bientôt en fin de vidéo, c'est à dire que je vais pas avoir assez de vidéos pour poster une fois par semaine. Là, vous l'avez remarqué, j'ai pas posté la semaine dernière parce que je pense plutôt que je vais partir sur un rythme de une vidéo toutes les deux semaines. Pourquoi? Parce que, bah, comme je viens de vous le dire, je vais vite arriver en bout de vidéo à filmer. Donc, si je veux prolonger le truc et durer un petit peu plus le temps que je trouve un rythme d'une vidéo par semaine, va falloir que pour l'instant je passe à une vidéo toutes les deux semaines. Donc pour l'instant on va faire comme ça. Donc celle-ci, à l'heure où je vous parle, elle sera postée demain. Donc là on est samedi, elle sera postée pour vous dimanche. Donc je vais la monter ce soir là. Et ensuite la prochaine vidéo ce sera dans deux semaines. Donc je ne sais pas ce que ce sera encore. Sachant que la boîte sera montée, l'embrayage sera monté, il restera plus grand chose avant de remettre la voiture dans le châssis. Mais je pense qu'on va s'occuper de remonter les trains, les roues, etc. Je vais voir ce que je vais vous filmer.
Mais ouais, en tout cas, là, le rythme, je vais le baisser un petit peu. De toute façon, c'est le début, donc c'est pas grave. Et puis, une fois qu'on aura du taf, on va repartir sur une vidéo par semaine, ça va être cool. La Mif, merci beaucoup encore. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.